Bonjour. J'effectue ma première visite en France depuis la terrible fusillade à Charlie Hebdo. Ce terrible événement nous a aussi montré que nous partageons des valeurs fortes qui définissent l'Europe. Et nous en sommes tous très fiers. Le Royaume-Uni se tient aux côtés de la France dans ce moment difficile. Et j'ai mis à profit cette visite pour voir comment le Royaume-Uni pouvait soutenir les efforts de la France. Le but premier de ma visite était de parler de l'UE. Il faut réformer l'Union européenne pour la rendre plus sûre, plus compétitive et plus prospère. Ce sont des objectifs qui partagent tous les 28 États membres de l'Union européenne. Même si certains en doutent, les Britanniques veulent rester dans l'Union européenne. Les sondages récents le prouvent. Mais les Britanniques demandent également des réformes. Nous devons stimuler sa croissance, créer des emplois et travailler à la légitimité démocratique de l'UE pour ses citoyens. J'ai rencontré de nombreux interlocuteurs brillants durant mon séjour. Ils avaient souvent des idées très intéressantes. J'ai également visité le CEA avec mon homologue Harlem Désir. Ce fleuron de la recherche française a vu de nombreux projets franco-britanniques, ce qui atteste du haut niveau de coopération entre nos deux pays. Harlem m'a également amené voir l'Institut Vivbon, qui dispense un enseignement de grande qualité, résolument tourné vers l'avenir et très inclusif. Cette visite a renforcé à mes yeux l'importance de l'excellente relation que nous entretenons avec la France et combien cette coopération entre nos deux pays dans un très grand nombre de domaines nous est précieuse.